C'est très bien dit, Madame la députée de Hall. Alors, je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Saint-Jean. Madame la Présidente, en tant que députée de la circonscription de Saint-Jean, je souhaite rendre hommage aujourd'hui à la Maison INA, qui célèbre cette année son 30e anniversaire de fondation. Précisément, c'est en février 1982 que l'organisme autrefois nommé le Coudel ouvrait ses portes pour accueillir sa première résidente. Depuis, déjà maintenant 30 ans, l'organisme vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales, avec ou sans enfants. Il offre des services d'aide, d'écoute téléphonique, d'accueil, d'hébergement, d'information et d'orientation dans la sécurité et la confidentialité, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Au fil des ans, la Maison INA a toujours réussi avec brio à remplir sa double mission, offrir des services aux femmes victimes de violences conjugales, tout en travaillant à contrer cette même violence conjugale dans une perspective de changement social. Je veux prendre le temps, aujourd'hui, au nom de l'ensemble des citoyens de la circonscription de Saint-Jean, pour souligner la part inestimable de cette ressource essentielle pour notre région, nos familles et l'émancipation des femmes du Québec. Alors, je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député de Saint-Jean. Je reconnais